World of Warcraft, ça vous sert à rien. Par exemple. Alors que... Même si vous avez le jeu en physique, quoi... Pas spécialement utile. En fait, ça dépend du jeu. Du coup, je me disais, est-ce que je détruirais pas mes salles? Alors le truc, c'est pour y faire quoi, hein? C'est ça le truc après, hein? C'est si je le fais, c'est pour faire quoi? Parce qu'après, je vends du full des maths. Il reste beaucoup de... Ouais, il reste quand même beaucoup encore de trucs en vente. Bon, j'ai l'impression que tous mes bundles ont disparu là. Mince. Donc, j'attends que mes classiques s'évacuent un petit peu. Ok, j'ai un Gothi qui vient de partir. Hop. Est-ce que je peux refaire un bundle? C'était le 47e hein, que j'avais fait un bundle, il me semble. Donc, le bundle 48. Ah non? Bon bah ok, d'accord. Ok, mes Gothis sortent avant mes classiques, c'est un peu dommage. Ah ça y est, j'ai du classique qui sort. Ah j'ai du classique qui sort, ça y est, on va pouvoir faire le bundle. Ah ça garde en mémoire, oh, bah j'aurais su. Eh ben, il reste plus grand chose. Alors, 49e bundle. Et 50e bundle. Allez, on va réouvrir à nos... Est-ce qu'on fait nimp? Est-ce qu'on fait du grand nimp? Du grand Mendes?
En vrai, on peut se permettre d'essayer de faire nimp. On auto-édite rien. Enfin, ils auto-éditent rien. Et on va vendre tous leurs jeux en démat. Et je vais supprimer ces salles-là. On va voir ce que je fais avec l'espace qui reste. Est-ce que je refais des salles plus grandes de. En vrai, par contre, le service là, le service client, il en peut plus. On va laisser faire. Et ce qu'on va faire, c'est on va effectivement supprimer toutes les salles et tout. Hop! Allez, peu importe le score, on vend. On vend tout direct. On regarde même pas les notes, on s'en fiche. On veut de la moula, c'est tout. Ah oui, il va falloir. Alors attendez. Ça je vais la faire là. Ah bah je vais la faire à la place de cette pièce-là du coup. Oh, j'ai pas vu ça. Attendez. Il y a un souci. Voilà. Ah oui, et puis du coup, ici, faut me faire les contrats, les frérots. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Tant pis, on sort tout et n'importe quoi. Le truc, c'est qu'on va aussi sortir les pires jeux de l'année, quoi. Mais au moins, on sort du jeu, quoi. Red Scroll.
On sort du jeu, on sort du jeu. Ouh, 89%, tiens. Attendez, attendez, attendez. On va se mettre en vitesse normale. Parce que ça va encore un peu plus, un peu trop vite pour moi là. Du coup. Lui, on va annuler la tâche. On va commencer à supprimer donc les salles. Alors. On va commencer par supprimer les celles qui sont les plus proches là. Merde. Clique à côté. Et on va faire une salle de relations clients beaucoup plus grande, beaucoup plus débile. En pause parce que c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'il galère si je suis pas en pause quoi. Alors, hop, non. Let's go. Alors, tout mon service marketing là. Le truc, c'est que je me dis... Attendez. Parce que le truc, c'est... Le truc, c'est au niveau de gestion de chauffage. Que après, je vais t'emmerder. Du coup, je me dis...
Je ferais des comme ça du 4. Voilà. Je fais une grande salle comme ça, complètement débile. Puis j'en fais d'autres, hein. Je vais en faire d'autres. Mais surtout, ça va être pour gérer le chauffage. Ça va être plus simple. En fait, ça va juste pour être géré la. Pas la logistique, mais la. Faut que je mette en température. J'en mets une derrière chaque fenêtre. Puis une à chaque coin de salle. Hop. Parfait. Hop. Voilà. On va avoir nos tapis. Ben là, en fait, j'ai envie de faire la même chose, c'est-à-dire quasiment devant chaque fenêtre. Ouais, voilà. Pas trop mal comme ça. D'accord, je sais pas comment elle est arrivée là, elle. Bon. Admettons. Et donc là. Je case un max de bureaux. Ah non, non, fais pas ça! Il est chiant à faire ça. Tu vois pourquoi? De temps en temps, quand j'appuie sur R, ça fait une rotation à 90 degrés. Et de temps en temps, il me fait une rotation degré par degré, quoi. Deux salariés par salle. Donc on a une première salle et on va faire la seconde et en fait on va faire plusieurs salles comme ça. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux créer une salle de service client et on va faire comme ça plusieurs. C'était du 4, hein. C'était du 4. Hop. Donc avec une voilà, avec une trentaine de salariés à chaque fois par salle.
On devrait pouvoir s'en sortir. Ah, puis cette rotation qui déconne. Je sais pas comment ça se fait. Moi, il y a un décalage là. Moi, il y a un décalage. C'est pas grave. Alors, il nous manque des choses. J'ai pas fini. Premièrement, il y a. Les tapis, bien évidemment. Et puis, hop. Il va me falloir, voilà, tout ce qui est... Tout ce qui est poubelle, le distributeur. Et dans quel sens là? Oh là là, cet enfer. Pourquoi ça fait ça de temps en temps? Enfin. Bien. Du coup, là, ça nous fait... ouais. Du coup, on va faire une troisième salle. En vrai, on en fait 4, ça devrait aller. Au total. Du coup, ce que je vais faire, c'est hop, les fabriquer et je les aménagerai après. On va même en faire 5. On va en faire 5. Pour gérer le courrier des clients. Et quand... Quand on aura traité le courrier, on pourra refaire des campagnes
des campagnes de convention, tout ça. Ok, donc là, on va voir tout ce qui est chauffage. Non, cette touche-là. Les tapis. Voilà. On va avoir tout ce qui est poubelle. Distributeur. La cafetière. Tous une trousse à pharmacie. Et après, c'est les bureaux. Arriver. Ah zut! Est-ce que je suis en... Quoi? Mais... Ah! Ah, ok, d'accord, ce sont ces options-là. Bon. Bon, pas grave, s'il y a des décalages de temps en temps, c'est pas grave.
On va réussir à le gérer ce courrier. Ah bah c'est sûr que c'est autre chose que de mettre des bots pour gérer les commentaires ou... Enfin des bots débiles surtout pour pas gérer les commentaires par exemple sur YouTube. C'est sûr que là au moins moi j'ai une équipe de modération. Hein. Si on part dans l'idée que je suis en train de faire un Steam 2.0 là. Au moins moi, mes modérateurs, ils sont humains. C'est pas des IA toutes pétées. Et en plus, je génère de l'emploi. Non, mais où? Ok, let's go. Du coup, hop, assistance. 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 On va y arriver, hein. Allez, plus personne ici. On détruit. Et là, il va me falloir du personnel. Donc là, j'embauche masse. Après, il y aura tout mon service de R&D, il n'y aura pas de soucis quand ils auront fini. Oh! Ils ont quasiment fini! Ils ont quasiment fini, on va pouvoir créer notre console. Oui, je vais mettre en accéléré parce que là, il se traîne un peu. Allez, tous à la file indienne. Allez, abattez-moi ce courrier. Je regarde même pas les jeux, hein. Je... Ça arrive, je publie quoi. Bon, ben c'est bien, on arrive à...
Ouf, bah oui, on en diffuse du jeu là. Ah oui, 142 millions, j'avais pas vu. Ouais. Par contre, donc du coup, j'ai des nouveaux employés là. Hop. J'embauche, j'embauche. Allez, allez-y. Telltale. On y arrive, ça descend, ça descend. On publie, on publie, on publie. Ça, on est de full des maths, on a rien, on est des escrocs. Juste, il y a un énorme service client quoi. Il y a du R&D parce que je désespère pas de créer une console quoi. Ça y est. On a tout débloqué dans le jeu. Adieu le. Bon là par contre, voilà. Alors c'est pas grave. Parce qu'on peut faire autre chose. Là. Oui, alors évidemment. Est-ce que j'avais créé un. J'avais pas créé une salle pour les travails de console. Du coup, je vais créer rapidement une petite salle pour les consoles. Ouais, je les mets en vrac, hein, je m'en fous. Hop. Hop, un petit tapis pour pas qu'il déprime. Allez, deux tapis. Hop. Mais pourquoi ici, il y a des contrats à faire ici. Du coup, ok. 89% pour les trucs là. Allez, hop. On va supprimer ça. Non, il faut d'abord que j'annule la tâche. C'est con, je l'ai créée cette salle, elle a jamais servi. C'est un peu absurde. Du coup, on va la créer là. On va créer une méga salle.
Attendez, on va d'abord gérer tout ce qui est chauffage, tout ce qui est... Voilà, parce que là... Je vais devoir mettre un radiateur au milieu. Ah, devoir mettre un radiateur électrique au milieu. Allez. Mince. Développement de console. Hop, l'équipement habituel. Je mets ça à l'arrache. Ça, c'est un peu plus uniforme. Hop. Ok. Mais non, j'ai pas fini. Hop, développement de console. T'as 50 000 l'atelier de création de console. Ah, vous en êtes milliardaire, on s'en fout. Toute façon, comme dirait Jeff Bezos, hein, l'argent est un problème de pauvre. On fait vraiment la maxi salle, hein. Merde. Bon, je vais replacer quelques-uns, hein. Falloir replacer un petit peu. Je sais pas si on peut ruiner le jeu. Je vais voir si je peux faire un truc. Parce que je sais que je peux forcer les devs à développer sur mes consoles. Mais du coup, est-ce que ça joue vraiment sur les parts de marché? Est-ce que c'est pris en compte? Parce qu'évidemment, plus il y a de jeux, plus la console se vend. Enfin, ça c'est la théorie, hein, parce qu'après... C'est pas une loi absolue, ça. Mais logiquement...
Ça nous fait 81. Développons une console. Alors, on va commencer par une fixe. Comment on l'appelle? Comment on appelle notre console? C'est pas moi. Playgirl en référence à la Game Boy. Voyez le la blague. Et on va mettre 2030. Parce que voilà, on est dans les années 30, enfin dans les années 2030. Ça va nous coûter 419 millions. Une bagatelle. La teinte, on va la prendre en... J'aime bien le bleu, moi. Petit bleu, là, comme ça, là. Ouais. Hop. 4 joueurs. La console peut être connectée à Internet. Jeu classique préinstallé. Oula. Il est en train de charger toute la liste. Ah, au secours! Et c'est le crash. Et bon. Du coup, on met quoi? Ça va être la meilleure revue de presse, hein. Allez, et on retrie. Enfin, on va pas être des chiens. On met la meilleure. On met notre meilleur jeu sur la console. En fait, on va prendre la stratégie un petit peu de... Comment c'est? Bordel, oh, ça coûte rien les techs. Comment? De Demo One. Sur la PS1, c'est que les jeux étaient très bien sur Demo One, mais c'était que des démos. Et on se disait, ça fout... les autres jeux ne pourraient pas être mieux, enfin, pas... ne peuvent être que mieux que ça. Alors que le Demo One, c'était voilà, c'était des jeux très très bien et... Oh, le JDG, on a déjà parlé. Bon, on a 63 personnes sur le coup. Ah oui, puis on continue à diffuser des jeux, c'est vrai, nous. J'avais oublié qu'on vendait des jeux, nous. Ah merde, c'est vrai. On vend des jeux. J'avais oublié. Ouais, vas-y, du reste. Allez. Donc on développe la Game Girl, la Play Girl, du coup. Soyez pas choqués par le nom, personne n'a été choqué par Game Boy, hein. On se plaint toujours qu'il n'y a jamais assez de filles dans les jeux vidéo. Il n'y a jamais assez de joueuses. Ah,
On va pouvoir créer notre console. On va avoir une console dernier cri. Une tuerie. Après, on va sortir la Pocket Edition, bien évidemment. Comme on faisait dans le 1. Il va y avoir la console de salon et la Pocket Edition. On en est où de ce courrier? Oh, cet enfer! On a le jeu de l'année, on a l'éditeur, on a le. Et malgré le jeu de merde qu'on a eu arrivé à un moment, on n'est pas le pire jeu de l'année. Je viens de voir le titre du jeu. The Red Hole. C'est quoi ce nom? C'est quoi ce titre? Et c'est un roman visuel. Oh, dis-moi que c'est un jeu de cul. Oh putain, non, classification zéro. Un jeu rétro. Roman visuel, simulation économique. The Red Hole. C'est quoi ce nom, sérieusement? Le trou rouge, quoi. Nique-toi, bordel. En français, c'est encore plus dégueulasse. Au secours. Bon, par contre, là, moi, ça m'inquiète, hein. Franchement, je m'inquiète pour le courrier, hein. Mais à chaque jeu qu'on distribue, en fait, il y a du courrier, quoi. Mais c'est terrible. En mode automatique hein, pour les éditions hein. C'est Steam, je vous dis Steam. Ah, peut-être arrêter de faire ça quand même. Parce que là, eux, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont à 68%. 68% de la boîte aux lettres est pleine, quoi. Comment dire?
On va réduire. On va réduire. Mince. Histoire qu'on se calme un petit peu sur les jeux là, parce que comment dire, hein. On va voir, comme qui dirait, des cas de burn-out là. Bon, je manque de personnel. Je recrute. C'est quand même con d'avoir des graphistes et ils vont créer des consoles et des... Et faire de la relation client, quoi. On est à la moitié de la du développement de notre console. Mais oui, et ça y est, je peux enfin la... Je peux enfin déjà... Je peux déjà la hype, en vrai. Et on a fait notre annonce. Comme quoi une console est en développement chez nous, quoi. Nautique. Pas mal ça. Encore quelques... Ouais, on avait trois grands classiques à balancer. On va les balancer maintenant. Non, c'est pas ce que je voulais. Grand classique. Hop. On y est. Et il y a un mec qui passe avec la sono à fond dans la rue.
Bon, bah, tous nos bundles sont sortis. Comme ça. Putain, on aura quand même brassé masse pognon, hein. Eh ben cette année on a raflé, hein. Après c'est vrai que le titre de développeur de l'année, résultat on peut plus l'avoir. Hein. Vu que je fais plus de dev. On fait que de la réédition. Allez, en vrai. Bon, on va prendre que les jeux qui veulent le coup, hein. C'est bien marrant de faire ça, mais ça saoule au bout d'un moment quand même. Et surtout qu'on n'a pas besoin de pognon, quoi. En vrai, c'est une stratégie qu'on peut appliquer, hein, la stratégie je publie tout en démat. Enfin voilà quoi, quand on a besoin de pognon, ça peut aider. Toc toc toc. Si je fais publier plus tard. Ouais, ok. Du coup. Ouais, non, je vais publier maintenant, du coup. Y a pas d'amélioration supplémentaire, il n'y a pas de polissage. Du coup. Terminer le développement. On publie la console. Alors. Oh. Allez, elle va coûter non. Ah oui, c'est le ah oui, ça c'est notre profit. En vrai. En vrai, on est blindé de thunes. On peut se faire masse pognon, hein. En vrai, avec ça. Mais je me dis. On garde le prix le plus bas possible. Parce que. Que la console. Enfin. Que le kit de développement soit extrêmement cher. Pour les studios. Mais par contre, pour les. Le prix le plus bas possible pour les gens, quoi. Limite, on fait 1$ de bénéfice. Let's go. En vrai, on met le prix le plus bas possible pour pour les clients. Let's go. Neuf sur 10. Presque parfait. Et on sort la Pocket Edition.